Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, bien sûr. J'ai reçu un courrier de la part de Muriel. Donc c'est une surprise ce matin. Et donc je voulais partager avec vous son petit courrier. Donc merci d'avance Muriel pour ton courrier. Donc voilà, un courrier surprise. Oula, pas que je bouge de trop parce que là je me suis mise sur une table qui est un peu qui est pas très stable en fait et je suis en contre-jour parce que j'ai le soleil juste derrière là mais qui est en train de chauffer une belle averse. Oui, je crois que même que ça va pas tarder. Bon bref, on s'en fout, on est à l'abri et on est là pour passer un bon moment. Donc voilà, j'ai reçu ceci. Donc on va regarder ensemble. Myriel, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette gentille attention. C'est très sympa. Voilà. Alors. Oh là là. Non mais que c'est joli. Déjà ce que j'aperçois là, j'espère que vous allez bien voir. Alors, c'est super sympa ça. Alors c'est une petite ceinture qu'elle a mis comme ça en forme de, avec un élastique. C'est trop bien. C'est une super idée. Alors là, Muriel, vraiment, c'est une idée géniale. Là, tu as dû crocheter une petite fleur et tu as dû coller tout ça ensemble. Les petites fleurs, là, je les aime bien aussi, celles-ci. Oh, quel travail! Oh! C'est trop beau. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Mais ça, c'est une très chouette idée. C'est, oui, franchement, à reprendre. Hein. Je la reprendrai notamment, tiens, pour faire des albums ou autre hein, pour faire une attache ou je sais pas moi ça peut oui pour faire une ceinture. Je cherche encore mes mots hein, c'est quelque chose, c'est la vieillerie. Alors ici elle a fait une jolie robe avec un petit cintre sur un joli tissu un peu style Liberty. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Oui. Trop beau. Bah dis donc. Ah, je sais pas si j'ai. Ah si, je peux juste l'enlever comme ça. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Oh, elle est trop belle ta petite robe. Trop belle. Avec des petits plis là. Elle a fait des petits plis ici, là elle a fait un autre pli. C'est génial, c'est trop mignon. Ah oui, j'adore. Avec un petit peu de dentelle là dans le bas. Bah dis donc, avec le petit cintre ici, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Peut-être mieux comme ça. C'est trop mignon, j'adore. C'est trop beau ça. Ouais, c'est une belle idée. J'adore. Merci Muriel, c'est très gentil. Hein. Je vais la remettre. Je vais la ranger. Voilà. Oh, c'est adorable. Et puis ce petit tissu là, il est trop beau. Alors ça, c'est une enveloppe. Genre loadée d'enveloppe, je pense. Je ne sais pas trop. Avec donc la tour Eiffel, hein, une jolie dame, top modèle. Et ce papier-là, il me semble que je le connais aussi. Ça doit être un papier de chez Action. Je crois que je l'ai aussi parce que je l'aimais bien celui-ci. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ouais, en fait, elle a fait ça sur une base d'enveloppe. Vous voyez? Ça aussi, encore une très riche idée. Là, des petits galons, là, à pompons. Ici, je pense que c'est sa petite carte. Très chic, hein? La top modèle, là. Une petite création toute simple qui j'espère te fera plaisir. Bah, toute simple. Et c'est pas tout simple. Hein. Je te remercie beaucoup. Bien sûr que ça me fait plaisir. C'est trop gentil. Alors ici, elle a mis des petits nœuds.
petit nœud. Ça, des petits nœuds, on n'en a jamais assez. Et j'aime bien aussi tes petits pochons. Là. Regardez, les petits nœuds de toutes sortes de couleurs. C'est marrant, ça. Très beau. Ils sont trop beaux. Merci beaucoup. Muriel. Je vais ranger au fur et à mesure parce qu'après, voilà. C'est trop gentil. On va ranger dans sa petite pochette. Ici, elle a mis des petits... Ça, c'est chouette aussi, ça. Moi, j'aime bien. Sur Paris, pour faire des petits... Lors de petits échanges. Ici, donc, c'est bien parce que ça fait un petit rabat comme ça. Et donc, ça se ferme avec ça, quoi. Je trouve ça trop, trop bien. Et donc, il y a encore une pochette ici. Avec encore des petites choses. Voilà, vous voyez, ça, c'est... La pochette, en fait, c'est l'enveloppe. Hein. Voilà, c'est l'enveloppe. Là, elle a remis deux petits rabats ici de chaque côté. Et par-dessus, elle a collé un papier décor. Je trouve ton idée ici vraiment très bien. Ça, c'est à refaire. Et on a... c'est génial parce que bon, on en apprend tous les jours. Et je trouve que c'est vraiment une très riche idée. Donc là, elle a refait une scie, un petit pochon avec... des petits embellissements. Hein. Ici, c'est un petit cadre avec des petits nounours. Voilà, regardez comme c'est mignon. C'est adorable. Je pense que c'est toi qui les as fait aussi. Hein. Ils sont super. Ils sont super. C'est trop mignon, ça. Pour mettre dans un album bébé ou autre. Hein. Pour faire une, même ne serait-ce que pour faire une déco. Voilà. En tout cas, je la reprendrai ton idée de l'enveloppe là, parce que je trouve ça vraiment très sympa pour faire des échanges avec les copines et même pour faire, oui, pour faire un petit plaisir, pour faire un petit cadeau. Oh là là, et ça c'est, oh là là, c'est trop, mais c'est trop Muriel. Et un petit tag ici, tout mignon. Et une petite pochette ici. Le papier, là, elle est superbe. Et ici, elle m'a mis des découpes Tilda qu'on a bien du mal à trouver. Je te remercie infiniment parce que... Voilà, quoi. C'est trop gentil, vraiment. Bon, je sais pas si vous voyez. C'est trop, trop beau. Hein. Voilà. Je vais les sortir. On va mieux les voir. J'arrive à trouver le bon bout. C'est super, on n'en trouve plus hein, des Tilda. C'est super joli. Ah, merci Muriel, je suis trop contente. Vraiment, je te remercie. Mais je vais te... Enfin bref, tu verras. Voilà, c'est trop gentil. Gentil. Je vais essayer de leur faire là ta petite enveloppe là parce que franchement je trouve ça trop chou et pour faire oui, des petits cadeaux, faire une petite pensée pour une personne ou voilà, ça peut être très sympa. Et même cette idée là avec le la dentelle élastique et la petite fleur crochetée là, plus la petite fleur collée dessus, je trouve ça trop beau vraiment. La petite robe également, elle est vraiment mais t'as dû passer du temps hein. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Bon, je me répète tout le temps, mais voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ben, je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère que tu vas bien. Et ben voilà, c'est à présent terminé. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tutti. Gros bisous.